Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 109 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Syndicate. Syndicate qui est un jeu de FPS un peu futuriste que vous allez voir, vous allez comprendre un peu l'histoire avec l'introduction qu'il va y avoir. Et puis voilà. Donc pour l'instant, c'est le menu. Alors Syndicate, appuyez sur la touche Entrée. Donc appuyez sur la touche Entrée. Donc on va faire une nouvelle campagne. Hop, nouvelle partie. Oui, j'écrase, je me mets en mode facile. Et c'est parti. Nous sommes en 2017. La plus importante fusion d'entreprises au monde donne naissance à Eurocorp. Cette société devient le fer de lance du développement d'un implant bionumérique, la puce DART. Marchant à l'adrénaline, celle-ci offre une expérience de connectivité sans pareil au Dataverse et rend tous les appareils numériques obsolètes. Dans un monde dominé par des entreprises gigantesques, les nations perdent leur importance. La population mondiale passe à 15 milliards d'habitants. 57% ont des puces les reliant à leur société préférée, quand tous les autres sont laissés à l'écart. Loin de tout pour mieux tomber dans l'oubli. L'espionnage industriel atteint des proportions inouïes. Et des agents clandestins sont mobilisés pour en protéger les intérêts. Vous, vous êtes l'un de ces élus. Un agent. Donc voilà, chargement du jeu. On va commencer. Donc vous avez vu un peu la mise en place de l'histoire, la petite puce qui nous relie tout le monde, qui relie tout le monde. Tout le monde, c'est une sorte d'internet géant. En 2069, c'est pas mal développé. J'espère que ça n'arrivera jamais dans notre monde, parce que ce sera plutôt inquiétant quand même que tout le monde puisse faire comme ça. Surtout vu la population qu'il y a, c'est quelque chose de pas mal. Alors, le chargement qui est un peu long, hein, on peut le reprocher, ça, c'est horriblement long, j'ai envie de dire même d'ailleurs. Regardez-moi ce chargement qui met du temps. Incroyable. Un petit conseil à lire pendant ce temps. Vous pouvez boire un café, jouer faire du tricot. Voilà, appuyez sur Entrée pour commencer. Reçu, QG. On va lancer la procédure. Système bus, DART version 6.1. Initialisation. Ok. Il est temps de se réveiller. Bienvenue dans le système bus, DART version 6.1. Alors, on va pouvoir lui casser sa tronche maintenant. Paf. En appuyant souris 1. Voilà. Ou souris 3. Souris 3, c'est le bouton du milieu. Voilà. Bah là, ça se fait tout seul. Animation. Alors, F. On va se casser ces trucs là. Essayer de sortir. Trop fort quand même. On casse des machins. On a une force de fou. Voilà. On se remet un peu les poignets, évidemment. Hein. Bon. C'est pas qu'on vient d'éclater deux trucs totalement incassables à la main, mais. Voilà, alors on se fait canarder, non? Alors apparemment, donc, nous sommes des humains, hein, tout simplement. Mais on a des robots dans la tête, ou quelque chose comme ça, un truc dans le genre. Appuie sur match lorsqu'il faut courir. Pour sprinter, enfin. Parce que là, en fait, on va se faire tirer dessus si on reste. Il y a des gens qui nous regardent à la fenêtre. Regardez, on se fait tirer dessus, c'est horrible. Ah, da. Comment éviter de se faire tirer dessus, je sais pas. Ah, mais il nous voit encore. Voilà. On va cacher. Alors, on continue, on monte sur la table, hop. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut ouvrir. Alors on ouvre. On appuie sur... Il faut appuyer sur F. Allez, ouvre-toi. Hop là. Donc là, il y a un truc qui nous tire dessus. Comme par hasard, il y a une plaque qui est tombée devant. Alors on appuie sur E.
qui nous permet de pirater les appareils électroniques, tout ça, puisqu'on est tous reliés sur le réseau en fait. Et donc apparemment on est trop fort, on est un agent trop fort là qui peut un peu tout faire. Alors, là il y en a là-bas, on va essayer de les niquer avant, voilà, pour les pirater, hop là. Pareil pour lui, et ce sera tout, voilà. Alors on continue d'avancer. Appuyez sur Maj en les plaçant pour enfoncer la porte. Ah bah, petite animation. Ok. On est tombé de là-haut. Alors, c'est super, on a rien du tout en plus. Par contre lui, bon bah il est un peu mort, hein, évidemment. Repère numéro 1, réveil de New York, bon je peux pas sortir. Là je peux pas prendre l'ascenseur. Ça servira à rien de remonter, alors on va continuer. Tiens, il y a une arme là par terre. On peut la prendre, ouais. Ça sera toujours mieux, une arme. Non, on peut pas la... Ah si, c'est bon. J'ai pris les munitions aussi. FKC. Hop. On casse des chaînes de 5 mm, voire non, 10 mm largement à la main. Tout à fait, des sacs poubelles. Ouais. Ah, pour rechercher la propagande. Donc apparemment on cherche tout ce qui n'est pas bleu. C'est de la propagande, c'est-à-dire la propagande c'est un message que l'on fait passer, un mauvais message. Donc apparemment lui il est gentil, donc on va pas le tuer. Faire trop passer, forcer les gens à avoir une idée grâce à de la pub, grâce à des trucs comme ça, c'est la propagande. Si vous affichez des... Si vous avez une entreprise que vous mettez des affiches de partout en disant c'est bien, c'est trop bien, voilà. Si vous le dites un peu trop, ça devient de la propagande. Tout ça, on peut rien y faire. Ah, il y a des trucs là-bas, mais on va y aller tout doucement. Non. Il faut que je fasse quoi? Là, il y a un circuit. Il faudrait que je déroute l'électricité de ce circuit là, qui va de là à de là, comme qui dirait. Sauf que je fais quoi? Faut que j'aille peut-être aux bornes électriques là, au petit panneau de contrôle. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, non? Non. Ça suit, là il y a le petit truc là, le machin de propagande. Je sais pas pourquoi c'est détecté en propagande. Donc c'est des sortes de bonbonnes d'oxygène. Alors, tac. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Parce que dérouter l'électricité, oui, mais ça j'ai compris. Comment? Ça je le sais moins par contre. Va être compliqué. Il n'y apparaît rien, aucune indication, aucun... Alors je dois être un peu con, je pense. Ça doit être ça. Est-ce que j'ai pas un truc, un... J'aurais foiré mes commandes, un truc que j'aurais oublié, sauter, non. Tirer zoom, un truc action, un truc qui permet d'activer les panneaux, parce que j'imagine que c'est sur les gros boîtiers comme ça qu'on doit pouvoir dérouter l'électricité. Je vois mal comment on peut faire. Autrement. Ou alors j'ai raté quelque chose quelque part. Je suis vraiment aveugle. Donc là c'était un let's play, hein, cette vidéo, je n'y ai pas joué avant ce moment, avant maintenant. Je n'y ai jamais joué encore. Enfin, je l'avais démarré quoi, tout simplement. Je veux dire, j'y ai jamais joué, si, je l'avais démarré. Mais j'avais pas joué jusque là. Ouais, bah, j'ai toujours mon problème d'électricité. Mes bonbonnes, elles servent à rien. À part faire boum. Elles ont pas fait grand chose. J'ai dû oublier quelque chose, comme je disais. Parce qu'il me semblait que ça ressemblait à des trucs électriques ici, là, mais non. Apparemment, non. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça, non? Les fils, peut-être qu'il faut suivre les fils, je sais pas. Les fils électriques. Non. Ah, je retourne en arrière, mais au cas où j'aurais oublié quelque chose. Quelque chose dehors, derrière.
Là, le mec, non, il est mort. Enfin, il est pas mort. Il est en train de mourir. Parce qu'il est très gentil, comme on a vu. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je ne sais pas du tout. Il doit manquer quelque chose, hein. Je vais pas tourner en rond pendant 3 heures non plus, quand même. Ouais. Alors, il faudrait que je monte là. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ah merde. Ah mais il y a une échelle. Bon voilà, ma solution, j'avais tout trouvé. Il fallait monter à l'échelle. Tu tournes en rond pendant 5 minutes pour s'apercevoir qu'il fallait aller à l'échelle. Donc je pense qu'il faut passer la porte. Voilà. Il y a des mecs là en plus qui m'attendaient. Ouais, j'essaie de leur tirer dessus correct. C'est pas très évident pour tirer par contre. Putain. Alors on dirait des mecs virtuels, vous aurez dit ils ont des... Alors c'est moi qui les vois comme ça. On va voir s'ils ont des munitions. Ça ramasse tout seul quand on passe dessus, ça c'est super. Alors allume l'électricité. Alors on a allumé, on a ouvert la porte là-bas. Ah oui. Voilà, donc on a allumé la... On a ouvert. On a ouvert, là, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Non. Et là-bas, est-ce qu'on a quelque chose à voir? Non plus. Hop là, donc on va se diriger vers là-bas, là où c'est ouvert. En redescendant. Hop. Hop. Donc là, par contre, ça s'ouvre pas. Hein. Il y a que de l'autre côté, là-bas. Hop, on voit... Oh merde, il y a quelqu'un là-bas. Grâce à notre vision super, super pratique, là, on voit les ennemis, la propagande, comme je disais tout à l'heure. Et on voit à travers les murs et les objets, tout ce que vous voulez. On voit où sont les mecs. Il y en avait un là. Ah bah oui, il est là. Il est un petit peu con. Et je me fais canarder. Ah bah il y en a un autre ici. Est-ce que t'as des copains? Non, y'a que eux. Ah non, il y en avait un autre qui était rentré. Attendez, il est là. Il est en train d'aller vers la droite, ici, là. Ah, mais il est là-bas, au fond. Ah, l'enfoiré. On le voit presque pas. Putain, il fait tout noir, on voit rien, c'est sombre. J'essaie de viser avec ma vision super, super pratique. C'est pas l'interface d'art, là. C'est pas pratique. Putain, il s'enfuit à chaque fois que... Et bon, il est crevé. Hop là, non, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus personne. N'en ai pas oublié. Hop, on passe la porte. Alors là, il y a encore des mecs. Alors ça, je peux tirer dedans. Je viens d'exploser un civil, mais c'est pas grave. Tant pis pour lui. Donc là, on a des ennemis ici. Là-haut, en bas, il y en a partout. Je vais me faire canarder, moi, si j'avance. Putain, il s'est barré. Il s'est barré super loin. Non, 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 non. Hop, 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 hop. On va essayer de revenir ici régulièrement avant de crever. Il n'y en a plus que deux. Je tire l'autre là-haut qui me canarde aussi. Est-ce qu'il est mort? Oui, alors il reste plus que celui-là en bas. Je sais pas si je l'ai touché. Ah non, il y en a un là. On voit rien du tout à cause de la fumée. Ouais, il a l'air d'être mort. Voilà, il n'y a plus d'ennemis. Donc on récupère... une arme. Hop. Ah, un fusil d'assaut, c'est mieux ça. Ça va tuer un peu plus efficacement, je pense. Tchoup. Toujours un peu des armes par terre, de munitions au moins. Allez, on descend, on continue. Il n'y a personne. Alors je sais pas si ça permet de voir vraiment derrière la porte. Je ne sais pas. Là, il y a des gens, par contre. Allez, crève, toi.
putain, il est pas mort. Je tirais des balles dessus, putain. Bon, là, ça va, il est mort, mais... Allez. C'est pas très pratique pour tirer, celui-là, non plus, d'arme. Je sais pas pourquoi le viseur, il se met pas devant, d'ailleurs. Je sais pas comment le mettre. Hop. Alors, là-bas, il y a une petite bonbonne. Paf. Hop, on récupère un peu de munitions. Ah, je me fais tirer dessus par des mecs qui sont dans les escaliers plus haut. Là. Putain, mais on les voit pas. Comment vous voulez viser avec ça? Et je peux même pas mettre l'autre zoom là. Ah, je me fais... On me visait, il y avait un pointeur rouge sur moi. Ah, lui, il est gentil. Il y a des mecs de partout. Comment je fais pour les viser bien, ceux-là? En fait, on sait pas trop où ils sont à chaque fois. Est-ce qu'ils bougent tout le temps là où ils sont, ils font que de bouger. Là-bas, il y a un mec, une fois qu'il me vise, hop, il y avait un autre pointeur rouge sur moi. C'est lui qui me voit un peu mes jambes et tout ça. Moi, je les vois pas forcément. C'est ça qui est chiant avec les gens qui sont en hauteur là-haut. Allez, on est fou, on est kamikaze, on va monter. Allez, c'est parti. Donc là, je vais en croiser normalement. Où c'est qu'ils sont? Là-bas. Oh putain, lui dans l'escalier. Mais non, il est où? Ah bah là. Bah. Oula, là, je vais crever là. Ah mais il est là-bas. Il est à l'étage du dessus encore. Je reste dans un angle qui me permet de pas crever et de regagner un peu ma vie. Heureusement que ça revient tout seul parce que ce serait pas la joie. Ah, regardez, il est là-haut. Ah, mais il est en bas aussi, d'accord. Dans le noir là, on le voyait même pas. Ah, mais ils me suivent. Ils sont de partout les machins. Peut-être que j'en... Peut-être que je monte directement comme tout à l'heure en mode kamikaze. Ils arrivent bien à me viser. Hein. Je les vois presque pas, mais eux ils me voient. Allez toi, crève. Ils aiment bien la distance, pas le corps à corps. Ah, il y en a encore un là-bas. Je t'ai vu. J'ai vu ta tête. Est-ce que tu vois mes balles? Voilà. Lui, il est crevé. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. C'est bon, ça commence à être lent de tourner en rond. Hein. De risquer la mort à chaque étage. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, je peux peut-être passer. Alors, mage... pour enfoncer le mur. Je viens d'enfoncer un mur. Je suis contente de te revoir, Kilo. Assieds-toi. Sécurité ? Allez maintenant nettoyer le terrain d'essai. Assieds-toi, Kilo. Il me faut tes stats post-mission. Sujet stabilisé. Données. Waouh, bizarre. Attends, laisse-moi juste... Activité anormale. Je vais surveiller ça de près. Ok, cette partie est classifiée. Mais le protocole veut que... Quoi? Tu oses me faire la leçon sur le protocole de mon projet? Dehors. Tu sais que tu es très précieux. Tu attires les convoitises.
Je vais te dire, Kilo. Et si je te donnais quelque chose à la place? Démarrage des mises à niveau Interpuce. Salut, Lily. Tu connais l'agent Mérite, n'est-ce pas? Ça alors, la célèbre docteur Lily Drew. Salut, Jack. Mérite, ça c'est une surprise. Je veux que tu vois les performances de mon nouveau prodige. Tu sais que j'ai des doutes, mais je dois dire que Dart 6 est très prometteuse. Ça va révolutionner l'industrie des puces. Et ce gars-là, il n'arrête pas de nous surprendre. Pas vrai, Kilo? Prêt pour la mission? Il s'en est bien sorti, mais je le peaufine encore. Lily, plus le temps de fignoler. On va pouvoir implémenter en masse la Dart 6 sur tous les agents. Ce qu'il nous faut, c'est beaucoup plus de temps, Jack. On n'est pas encore prêt. Ce n'est pas mon impression. Kilo a prouvé que Dart 6 fonctionne. À moins que... Bon. J'ai manqué quelque chose. Kilo, tu n'arrêtes pas de nous surprendre. S'engager volontairement comme prototype malgré les risques de cancer du cerveau. Un vrai prodige, pas vrai? Ou c'était juste pour te faire examiner la tête par la charmante Dr. Drawl? Ouais, c'est crédible. De quoi? Rien, Dr. Drawl. Kilo, Lily pense que tu n'es pas apte pour le terrain. Mérite, lui, pense le contraire. Et il aimerait savoir s'il a raison. J'ai un petit travail pour lequel tu serais parfait. Voici Gary Chang, psycho-ingénieur en chef d'Aspari, l'équivalent de Lily ici. Sauf l'apparence. Une de mes sources m'informe qu'il travaille sur un projet un peu trop semblable à Dart 6. Une contrefaçon évidente. En fait, c'est pire que ça. On pense qu'un de nos collaborateurs lui fournit des données. On a une fuite, une balance, un espion. Ça n'est pas possible. L'ennui, c'est que s'ils nous devancent, leurs agents auront un avantage sur les nôtres. Je ne le permettrai pas. Il faut s'en occuper maintenant. Tout est prêt. On part ce soir. Toi et moi, Kilo. Je n'aime pas ça, Jack. Kilo n'est pas encore stabilisé, il pourrait bugger. Eurocorp a un excellent système de sécurité, Lily. Tu dois le savoir. Kilo, va chez Aspari avec Mérite pour t'occuper du problème Chang. On est à la veille d'une grande avancée. Il ne faut pas tout gâcher. On nous a préparé un hélico d'Aspari. Il nous attend sur le toit. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Accès base de données rétabli. Prochain arrêt, Aspari Sud, la Cité des Anges. Je crois que tu vas vraiment aimer ça. Donc voilà, on a réussi pour le première mission. Événement 1, une voix au réveil. Et ce jeu est tellement bien qu'on va continuer. Alors la précision, il nous indique appuyer sur entrée pour commencer. Je veux juste voir à peu près les performances avant. Donc il nous affiche un peu tous les trucs. Meilleure performance, bon bah c'est forcément la meilleure performance, c'est forcément celle qu'on vient de faire puisqu'on n'en a pas fait d'autres. Cet événement, meilleure performance, cet événement, les dégâts encaissés, le temps réalisé. Tout est pris en compte, tout ce que vous avez fait, le nombre de mecs que vous avez tués, les balles que vous avez pris, les dégâts que vous avez fait. Que vous avez tapé les bonbons d'oxygène. Lancement simulation tactique d'Art Space. Alors ça, c'est une sorte de machin tutoriel. Performance pour application suicide. Repérer un suicide. Cette application oblige tout porteur. Donc je vais vous laisser écouter le tutoriel. Accède à la zone d'entraînement pour lancer le test. L'interface tactique Dart sert à maximiser l'efficacité au combat. Activé, ce mode suit les éléments stratégiques et les positions ennemies, même à couvert. L'interface Dart maximise aussi la résistance de l'agent, sa réactivité et sa capacité à pirater.
Ceci est crucial pour ta survie au combat. Début du test. Activation de l'application suicide. À tester dans les situations suivantes. L'application suicide affecte tout le monde autour de la cible. Entraînement terminé. Application de piratage alimentée par l'adrénaline. Une utilisation optimale au combat accélère le chargement de tes applications de piratage. Accède à la zone défi pour tester tout le potentiel de l'application suicide. Début du défi. Tu gagnes de l'adrénaline en tuant et par les pics de piratage. Les pics de piratage surviennent à chaque piratage parfait. Dans ce défi, tu dois éliminer le nombre minimal de cibles indiquées. Ta performance sera évaluée. Donc voilà, on va s'arrêter là. Ce sera tout pour Syndicate. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.